Là, j'ai l'impression que Famofo, il va rien lâcher. Il va absolument rien lâcher. Donc à voir ce que ça va donner. En plus, je sais que Matisse, voilà, il aurait préféré BO5 aussi, mais bon. Bah évidemment, BO5, c'est vraiment le format le plus compétitif qui soit. C'est le format qui va beaucoup plus inciter au, comment ça s'appelle, à la prise d'information. Ouais. Mais je pense par des soucis peut-être de timing. Ouais. Ah, évidemment, Yarnos qui je pense, va tirer pour son GOAT. Kaliae. Parce qu'il y a des Flo le chien, c'est vrai que je dis femme au Flo, mais ce n'est plus femme Flo au Flo. Flo le chien. Excusez-moi, c'est Flo maintenant. Flo le chien. Donc à voir. C'est vrai qu'il avait tweet par rapport à ça. Excuse-moi, mon très cher femme au Flo, d'avoir fait cette erreur. Oh, tac. Ils sont en train de faire leur touche. Moi, je ne saurais même pas dire comment ça va être. Évidemment, avantage à Flo. Ouais. Je pense. Mais faut voir si Kaliae arrive à respecter, attendre le bon moment pour Gwyn, puisque je sais que la dernière fois c'était un peu ça son problème. Il n'arrivait pas à attendre le bon moment. Et le truc c'est que mine de rien, jouer contre Flo, ça donne un coup au mental et il le sait très très bien. On rappelle encore une fois, Smash c'est des persos mais c'est aussi des joueurs qui sont derrière la manette. Donc Flo, quand il voit qu'il a l'avantage, oh t'inquiète pas frérot, il voit que au fond du trou il va creuser avec toi le ref, genre il va prendre sa pelle, il va creuser. Donc on va voir ce que ça va donner. Après ça va être BO3. BO3 il peut quand même durer dépendamment de si Kali décide de respecter ou non Duck Hunt. Sachant que mine de rien, Duck Hunt, quand ça pose son setup, tu dis je fais quoi. Mais quand t'as l'habitude de Duck Hunt, tu comprends les faiblesses. Ouais. En gros, il y a des moments où c'est un peu comme le boomerang de Link, tu vois. Ouais. Genre, c'est tellement lent que tu peux le foncer dessus. Ouais, vraiment. Moi, j'avais joué contre Famoflo, je me disais juste, il y a un moment où je peux go in, une fenêtre précise, et après, soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard. Genre, vraiment. C'est trop... Et après, c'est pas genre juste trop tard, tu prends 20%, non, c'est trop tard. Ouais, non, tu goûtes. Ouais, non, tu goûtes. Non, c'est chaud. En plus, jouer Kazuya, side B en boucle, frère, je pouvais rien faire. Alors, c'est très très fort le side B, sachant que tu peux. Après, tu peux réfléchir le side B. Ouais mais bon, là quand j'étais dedans frère, j'étais bien dedans. Ah t'étais bien dedans et il a creusé avec toi en tout cas. Ouais. Mais après le truc c'est aussi, de côté Kali, on a eu un énorme pop-off contre Pratice parce que son premier top 8 à un tournoi de cette ampleur. Donc évidemment on est content, raison. On est heureux. Et j'ai pas envie que ça fasse ce truc du j'ai top 8, c'est bon. Ouais j'ai top 8. J'ai top 8, je peux... Ça drop la pression. Mais il va falloir quand même l'avoir un petit peu la pression pour maintenir... Pour se maintenir. Allez les deux. Ah, en vrai là je suis pour Matisse, pour que le meilleur gagne. En vrai évidemment Matisse parce que c'est un petit peu. Allez, Matisse, le go. Flo est habitué un petit peu à cette place là, donc ce sera un upset. Toujours être pour l'outsider et le choix va se porter sur PS2. PS2, plutôt une neutre, j'ai l'impression. Ah, c'est un petit peu la maison, la casa si tu peux le dire de Smash. Ok, why not, pair, ça donne des coups de canard frérot. On n'en peut plus. Ah, les coups de bec déjà, F-Smash. Ça beaucoup de pourcents, mine de rien. Canette aériale, c'est bon. Ouh, ok, on va se faire avoir par sa propre canette, malheureusement. Coup de canard, encore une fois. Ok, canette, on jongle un petit peu. Évidemment, on est à la kermesse. Le backer qui va être trouvé. Est-ce qu'on va tenter quelque chose. Mais très, très bonne air dodge, mais la ride de roll va être faite côté Kali. Tout frais. Beau début de match. Dommage. Side B. Il m'a dit, tu sais, j'ai fait quoi. Que des side B pour gagner. Que des side B. Ok, et la Bakar. Bah non, ça fait Pythagore avec son adversaire en fait. My bad, frérot. Le ref est en train de réviser les théorèmes de Thalès. Oh, bien vu. Oh là, on attend là. Oh, t'as vu, c'est pas même pas deuxième option, c'est troisième. Vraiment, il a attendu. Il a fait. Tu vas paniquer là. Ouais, tu vas paniquer là. Exactement. Et là, ça repart en neutral. Ah, c'est vraiment. C'est deuxième dommage, stock, hein. Tranquille. Parce que en vrai, les stocks sont quand même assez rapides. On a même pas fait une minute qu'on a déjà perdu deux stocks. Dans ce match, après Roy un petit peu oblige, est-ce qu'on a son saut. Évidemment qu'on a encore son saut. Ouais, on est obligé un petit peu de bourrer, mais cette canette frame 1. Un frame 1 là entre le deux coups de nerf. Abattre l'ennemi, une seule mission sera de mise. Le frisbee, double frisbee, upper, mais what the fuck. On jongle avec son adversaire carrément. Gros, il n'y a plus de respect. Gros, le ballon de Baudruche. Jab F-Smash, my bad frérot, très très belle ride. J'ai cru qu'il allait F-Smash, hein. J'ai cru qu'il avait ce juice. En vrai c'est un petit peu dommage, tu vois, c'est
généralement, il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir la ride, qui vont se positionner, mais qui vont être un petit peu trop timides. Ouais, sur la ils position. Sont entre deux un peu, alors que gros, Roy... t'as couru tout là-bas, c'est bon, F-Smash mon gars. Alors que, vraiment, Roy, c'est quand t'as raison, bah frérot, t'as raison, là, mais là, ce sera le Duncan qui va avoir raison. C'est exactement ça que je me mangeais, voilà. Et en vrai, déjà là, une game. J'étais en mode flow camp-camp, mais en fait, c'est surtout de la pressure. On va surtout faire beaucoup d'anti-approche. Et dès qu'on déroule le frisbee, bah, je pense qu'on connaît pas. Hein. Déjà, on se prend double frisbee, sachant qu'on peut SDI out complètement. Ouais. Donc, à voir. J'ai l'impression qu'on est beaucoup moins in côté Kali. On a des rides, mais les rides sont beaucoup trop timides quand même, je trouve. Ouais, là, s'il avait smash, ça aurait vraiment pu changer la game quand même. Ouais, évidemment. Et en plus, on a notre très cher, comment ça s'appelle, Well. Notre ouais, bon comment s'appelle bon Roy de la région PACA qui fait c'est un des joueurs que je ne veux pas affronter en vrai. C'est des joueurs qui schmouve. Tu vois les Roy qui se déplacent en mode je ne sais pas où tu vas, j'ai peur. Ouais. Voilà, c'est un peu Well. Shout out à toi et ce sera donc sur. Ok. C'est une bonne map pour Duncan, donc je pense qu'il doit être heureux. Sachant qu'on l'a vu, ça tue quand même très facilement vers le haut. Et on n'a pas tué tant que ça vers le haut en fait avec le Troy. On rappelle, hein. Enfin, on se prend double frisbee, okay, on prend vraiment la totale. Ok, backer, pourquoi pas, on est là, bon patiente. Sauf qu'on va toucher du bout de la lame, la frite de main. Oh, oui, on attend, patient, sauf que là, t'as mal spacé. Perd un peu ce combo là. Bah, Matisse, mon gars. J'ai l'impression que là, le top 8, il est heureux. Mais on aimerait voir pas une 7ème, mais peut-être 5ème place. Mais Flo, le chien, ne va pas lui en laisser. Voilà. Et voilà un petit peu un des gros problèmes, c'est que si ce n'est pas trop, tu as la canne qui sort frame 1 et du coup combo breaker Baxrow, évidemment Baxrow. Mais il fait quoi le ref? Il fait un petit setup tranquille, il jette des petits trucs. Aïe, il est dans la tourmente et on voit hein, sur la pleur cam, on est concentré, mais c'est très très chaud comme tu le dis mon très cher vrai gars. Allez Mathis dans le chat, il ban le boss. Et ben il est dans TF1, le ref. Du SOP, sud-ouest profond. Je vais absolument dire toutes les régions. Des gens dans le chat pour vous. Upper, triple upper. Frère, laisse-le. C'est du harcèlement. Aïe. On couvre ses arrières. Ouais, vraiment, on n'arrive vraiment pas à tuer là. C'est compliqué. La muraille de Chine, gros. On n'arrive pas à trouver de coup là. Même un tilt, ça pourrait tuer. Ok, bah on meurt de sa propre canette. Bah littéralement, finalement. Après, c'est qu'on fait du feu avec son épée. Donc le feu active directement la canette. Et ça nous fait pour notre plus grand plaisir. Oh non, le frisbee encore une fois, la canette qui va toucher. Oh, mais non. Frérot, on a dormi. Oui. On a sleep. Aïe, poudre dodo dans la canette, gros. Ok. Qui s'amuse là? Bah. Flo, je pense. Flo là, je crois qu'il est vraiment à son prime. Il rigole son perso carrément in-game. il est goofy. Mais sachant que là, en plus, vu qu'il y a l'île de stock, il s'en fout de faire des canettes. Parce que s'il trade, il s'en fiche. Il prépare les pourcentages pour la dernière stock. Ouais. Et. Oh, j'allais dire peut-être le side B, mais non, on garde bien le shield. Hein. Ouais, non, évidemment. Il a raison. On fait très peu de grab en fait du côté de Kali. Donc pourquoi release le shield? On attend en patient trop tard. Mais là, c'est trouvé sur la plateforme. Non, et là on entend les tirs, hein, les tirs du public qui veut le voir gagner. Non, en fait le truc c'est que c'est trade parce que en fait tu peux gimp en fait avec ça, tu vois. Ouais. Ok, vraiment on est là, on attend patient back air, frisbee, on se les prend quand même de moins en moins. On n'arrive pas à rentrer là dedans. Ah non, c'est dommage, ok, pourquoi pas, pistolero, ok upper. Ok, mais je suis peut-être un peu enflammé pour lui. Ouais, je l'avoue. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est de la ça joue fois. Avec son adversaire, ça l'envoie partout. Le slip. Gros, le pistolero a walpé, frérot, sur la player cam. Tout était prévu. Mais on repart quand même avec les honneurs côté Kali. Flo le chien qui continue dans sa lancée. On sent peut-être un petit peu. Mathis, mon un gars. Petit peu chafouin. Un petit peu. Pas content de sa victoire, hein, côté Flo. On est un petit peu neutre. Et on voit côté Matisse hein, sur la pure cam, gros c'est un menhir. Après je peux comprendre, là le problème de Matisse c'est que c'est un joueur, on voit qu'il progresse et qu'il va très très loin. Mais le truc c'est qu'il bosse tellement, et le problème des joueurs qui bossent énormément c'est qu'ils progressent vite, mais que chaque défaite, ouais, ça fait mal, hein. elle est dure. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu la marque des plus grands, c'est la marque des joueurs qui refusent la défaite, et là il va y avoir une VOD qui va être faite, on le sent.
on voit sur